Deux jours durant, nous avons rassemblé l'ensemble des experts, les meilleurs experts en France en ce qui concerne le véhicule autonome. L'objectif, c'est faire l'état de l'art du véhicule autonome avec une ambition, c'est de faire en sorte que la France soit dans le top 3 de l'avenir de la mobilité. Et la volonté à la fois de la SIA et de l'URF, c'était de faire croiser, d'avoir un regard croisé, mais surtout de fédérer et de valoriser les deux communautés scientifiques, d'une part des infrastructures et d'autre part de l'automobile, autour des véhicules autonomes. L'idée de réunir tous ces gens-là, c'est principalement de se faire aussi un langage commun et de se mettre à niveau sur toutes les problématiques. C'est un domaine extrêmement large avec beaucoup de problèmes et de sous-problèmes, et on a besoin tous d'un langage commun. Je suis venue ici parce qu'en fait, moi, je travaille dans un domaine qui s'appelle la DAS, donc c'est l'aide à la conduite. Donc pour savoir l'état de l'art et pour savoir un peu ce qui se passe en ce moment, j'ai voulu venir ici. Je suis venu ici tout simplement pour en savoir un peu plus sur le véhicule autonome. C'est toujours bon de partager notre savoir-faire avec des confrères ou des collaborateurs. Ce type de rencontre a l'intérêt effectivement de pouvoir partager nos savoir-faire, nos roadmaps, pour étendre nos réseaux relationnels. Ce qui est important pour le CIMELS d'être sur un rassemblement comme ça, c'est donner une visibilité sur des nouvelles technologies. On connaît beaucoup de monde déjà sur le marché, mais d'exposer à tout le monde nos solutions est extrêmement pertinent. La voiture autonome, c'est un enjeu potentiel énorme. On a ouvert une nouvelle porte, on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière. Et c'est tout ça qu'il faut explorer dans un écosystème avec tous les gens qui sont réunis dans cette conférence. Ce qui me semble fondamental, c'est clairement que l'ensemble des acteurs de ce domaine prennent conscience des enjeux du véhicule autonome de façon à aller le plus vite possible vers du véhicule autonome de façon à ce que la France garde son leadership dans le domaine automobile. On se rend compte que c'est impossible de réussir s'il n'y a pas une bonne complémentarité, une bonne coopération entre les acteurs du véhicule et les acteurs de la route qui fassent que les citoyens puissent utiliser dans toute sécurité le véhicule autonome. L'ensemble des sujets qui ont été présentés ont été vraiment traités par des gens qui savaient de quoi ils parlaient. C'était vraiment très enrichissant et je pense que pour nous, moi qui représente un peu le monde des routiers, pénétrer un peu plus dans les problématiques des constructeurs automobiles, et je crois que ça c'est très très enrichissant. C'est extrêmement important d'avoir des regards croisés avec le plus de S possible. On est à un moment où les business models sont en train de se construire avec sans doute des alliances nouvelles, différentes, et qui méritent beaucoup de travail en commun et beaucoup d'imagination collective. Et puis j'ai eu l'impression que les débats justement étaient très ouverts et permettaient de construire un espèce de bien commun au service des intérêts de la filière, au service des intérêts des différentes professions, et bien entendu je ne peux que m'en féliciter. Beaucoup d'interventions sur des technologies très innovantes et du futur, mais surtout un maître mot qui ressort, c'est le jeu collectif, jouer tous ensemble, travailler tous ensemble sur les véhicules autonomes. Rendez-vous pour un prochain événement de ce type qui doit faire tous les ans l'état de l'art des véhicules autonomes et de la forte position de la France dans le monde sur ce sujet.